Bonjour. Ça y est, ça arrive. Coucou tout le monde. Coucou Lilou. Coucou Patou. Coucou Nadège. Ça va? Contente de vous voir. Il fait bien soleil aujourd'hui. Coucou Caro. Bonjour Dominique. Ah, c'est Jocelyne. J'arrive pas à... Vous êtes sous des pseudos, donc des fois je sais plus qui est qui. Coucou, ça va Christine? Oui, il y a un sacré soleil aujourd'hui. Ça va, ça va. Ah Sylvie, merci beaucoup. Ah, il pleut à Paris. Bon, alors le lien, je vous le mettrai peut-être en, je te l'enverrai sur la conversation de la vidéo. Je te l'enverrai. Mais merci beaucoup. Vous êtes vraiment impressionnants tous. Je suis très très touchée et c'est vraiment pas pour ça que je le faisais. Donc vraiment merci du fond du cœur. C'est vraiment Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir votre soutien, parce que je le prends comme un soutien et un remerciement. Et donc on va se faire notre cours aujourd'hui dehors. Alors pour ceux qui sont avec un mauvais temps, et ben bon, vous le faites en intérieur, ça va. Moi je pense que je vais avoir très chaud parce que là du côté de Nice il fait quand même super chaud. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis très contente de vous voir. On va y aller. Eh bien, merci beaucoup, merci Sylvie. On y va. Alors, on va commencer, oui. Alors, je vous fais juste une petite parenthèse. Coucou Nat. Pour le début du cours, là, on va faire ça, ce qui s'appelle des exercices de pré-pilates. C'est-à-dire que c'est des exercices qui sont vraiment très simples, très minimes, et pour vraiment retrouver sa boxe. Donc, il faut vraiment avoir conscience de la boxe. Je vous refais un petit topo vite fait pour que vous puissiez bien cerner tout. Il faut vraiment avoir les épaules. Pas pincé en arrière, vous voyez, il faut pas que ce soit pincé en arrière ni enroulé vers l'avant, il faut juste que vous veniez les placer, que vous sentiez que vous avez une ouverture au niveau du corps. Donc ça c'est les épaules, la tête n'est ni en avant ni en arrière bien sûr. Ensuite on a les côtes qui sont rapprochées comme quand vous expirez ou quand vous toussez ou quand vous rigolez. Il y a ce rapprochement et du coup un engagement musculaire qui demande à ces côtes de rester tenues. Le ventre est lifté vers le haut. Vous devez vraiment avoir l'impression qu'il y a une cuillère à glace là qui vient dans votre nombril et qui remonte vers les côtes. Donc il y a une fermeture éclair. Ça, c'est pour les abdos. Et ensuite, vous avez votre bassin qui n'est ni rétroversé vers l'avant, ni poussé vers l'arrière. Il est ce qu'on appelle, on va dire, dans une position neutre, entre guillemets, c'est-à-dire à plat. Vous avez un étirement de toute la colonne comme ça, avec cet engagement musculaire qui tient vos épaules, vos côtes, vos abdos. Et donc là, vous avez une protection maximale de toute votre boxe, de tout votre haut du corps, qui va empêcher que vous fassiez mal. Et si vous faites des mouvements en essayant de garder tout ça, vous avez vraiment un renforcement qui se fait au niveau de tous les muscles profonds, au niveau des intravertébraux, c'est-à-dire les muscles qui permettent de vous auto-grandir. Donc en vous musclant dans cette position-là, vous corrigez votre posture déjà, vous tenez beaucoup mieux et vous la maintenez, vous la musclez dans cette position-là. Donc c'est ce qui va vous aider au quotidien après à moins vous voûter, moins vous tasser, pas avoir les épaules qui s'enroulent, etc. C'est parti! Alors, sur le dos, voilà, on se grandit, on presse les bras dans le sol, on ouvre les épaules. Et on essaie de s'auto-grandir déjà. On allonge la nuque, on essaie de ne pas avoir le menton qui part en arrière. Si vous avez tendance à avoir les cervicales qui sont vraiment très prononcées au niveau du creux, mettez des petits coussins, une petite serviette pliée en quatre ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas que vous ayez le menton non plus qui se rapproche de la poitrine. Il faut juste avoir un allongement de la colonne, un allongement ici aussi, et les bras pressés dans le sol. On serre les talons, on se grandit. Les bras pressés dans le sol, c'est pour avoir un petit plus au niveau des triceps. Et puis ça vous aide à serrer sous vos omoplates. Donc on se grandit, on aspire le ventre. Et on va juste inspirer pour l'instant. On inspire, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse le ventre. Il y a un petit creux sous les lombaires, mais vous allez voir que petit à petit, il va s'allonger.
Et donc vous allez vous rapprocher du sol. On expire, on vide l'air, on se grandit toujours plus. On inspire, on creuse le ventre, on zippe tout. Et on expire, on vide l'air, toujours le dos très long. Et encore, on inspire, on zippe le bas-ventre. On doit commencer à sentir que ça travaille dans les abdos. Expirez, videz l'air. On va mettre une petite pression entre les talons pour venir connecter les adducteurs aussi. On inspire. On expire, on creuse le ventre. Et maintenant, on va monter les bras. On inspire. On essaie d'aller jusqu'où on peut sans que les côtes ne descendent ni les épaules montent. On expire, on presse. Encore. On inspire, on monte et on résiste. Il y a vraiment une action pour connecter les côtes avec les abdos. Et on presse, on expire, on se grandit. Encore. On inspire. Et on presse vers le bas, on expire. Restez en bas. Maintenant, en gardant votre box engagé là, les côtes descendues, on plie la jambe droite dans la glisse. Inspirez. Et expirez sans cambrer, sans bouger vos hanches. Vous descendez votre jambe et allongez. Donnez une direction à vos jambes loin pendant que le bassin reste bien à plat. Zippez toujours ce bas-ventre là, ça remonte. On inspire, on monte la jambe gauche en la glissant. Attention à ne pas déhancher ou à creuser. Servez-vous vraiment de vos abdos pour tout tenir. Pressez vers le bas, expirez. Encore à droite. Inspirez. Et expirez, allongez. Encore. Inspirez. Expirez. On pousse les deux hanches dans le sol, on aspire le ventre, on descend les côtes. Encore. Vous voyez le bas du dos, on se rapproche du sol. Encore. Inspirez. Allongez, expirez. Et encore un. Inspirez, les épaules toujours ouvertes. Essayez de sentir le contact de vos omoplates dans le sol. Expirez. Très bien, maintenant. Montez le genou droit. Puis le genou gauche. Très grande. Vous restez votre box ancrée. Donc là, c'est plus facile encore d'avoir le bas du dos qui se rapproche du sol. Vous essayez de garder ça. Et vous montez le genou droit sur la poitrine en soutenant le ventre. Puis le gauche. Et vous posez le pied droit sans lâcher ici. Ça doit rester au sol. Et gauche. Encore, on fait à gauche cette fois-ci. Et à droite sans décoller le bas du dos. On garde le ventre tenu. Posez gauche. Posez droite. Et encore à droite. À gauche. Posez. Et posez. Et encore gauche. Droite. On pose, on résiste, on se grandit toujours. On presse les bras dans le sol et on pose. Et droite, une dernière fois de chaque côté. Gauche. Posez droite. Posez gauche. Et le dernier à gauche, montez. Montez. Posez. Posez. On va remonter les genoux sur la poitrine l'un après l'autre. C'est pour protéger votre dos. Les bras restent ancrés au sol. On enroule la tête et les épaules si on peut. On garde le ventre creusé. On tire les bras loin devant à hauteur de hanche. Et on va venir allonger les jambes jusqu'où on peut. Et on pompe. Inspire. 2, 3, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Grandissez-vous. Expirez. Creusez toujours plus le ventre au sol. Attention, ça ne décolle pas dans le bas du dos. Si ça décolle, vous remontez vos jambes. Expirez. Et si vous êtes à l'aise, vous descendez. Encore. 4. Expirez, les genoux souples, on serre les fessiers. Encore, 5, tonique dans les bras. Expirez. Encore, 6. Expirez. Encore, 7. Expirez. 8. On s'enroule bien par-dessus les côtes. Encore, 9. On presse toujours les talons. Et le dernier. Expirez. Posez les jambes. Montez les bras. Pour les personnes qui ont des abdos encore un peu faibles ou qui ont des problèmes de dos, je vous invite à vous asseoir et à commencer jambes fléchies. Pour les autres, on va garder les bras en l'air. On serre sous les omoplates pour regarder bien les omoplates dans le dos. Et on inspire, on ramène les bras au-dessus des épaules. On enroule la tête, on imprime le bas du dos au sol. Et on va venir s'enrouler sans se passer vers l'avant.
Déroulez doucement, inspirez. Et posez doucement, expirez. Encore. Inspirez. Gardez la tête entre vos bras. Et poussez le bas du dos vers l'arrière pour vous enrouler vers l'avant. Et déroulez doucement. Et déposez. Et encore. Enroulez. Creusez. Venez vers l'avant. Expirez. Et si vous pouvez, vous allez encore plus tirer vers l'avant. Et déroulez. Et posez. Allez, encore deux. On enroule, on inspire. Creusez. Grandissez, allongez bien la nuque et ouvrez le dos. Déroulez, inspirez. Et posez. Allez, le dernier. On enroule. On ancre le bas du dos. On s'enroule par-dessus un gros volume. Ouvrez votre dos, expirez. Quand je parle d'ouvrir le dos, c'est vraiment de pousser tous vos vertèbres vers l'arrière pendant que les bras tirent devant. Et on déroule. Et on dépose. Très bien. Pressez les bras dans le sol. Et vous venez monter la jambe droite en l'air. Si vous voulez, vous pouvez fléchir la jambe gauche. Ou alors vous la gardez allongée. Celle-ci, soit vous la fléchissez si vous êtes très raide et vous allez chercher à l'allonger. Soit vous allez tirer vers vous en expirant toujours. Le dos bien long, les deux hanches au sol. On essaie de ne pas soulever la fesse. Et on va essayer de tourner le talon vers soi pour faire un petit stretch supplémentaire. Et encore, on expire, on tire. On se grandit, on se grandit. Les deux jambes le plus long possible et on relâche encore une fois. Les coudes ouverts pour toujours tenir sous ses omoplates, on se grandit. Gardez la jambe qui tire vers le plafond, on presse les bras dans le sol. Et on dessine un cercle en commençant par la gauche. On descend et on remonte, on expire. Le but, ça va être de ne pas bouger notre box. Donc, réduisez votre cercle de façon à pouvoir garder tout immobile. Encore. 3. Remontez. Encore. Le bas du dos ne décolle pas. 4. 5. On inverse. Et 1. Et 2. Encore. Et en l'air. 4, 5, et plié. Pressez le genou sur la poitrine. Et on change de jambe. On se grandit, on inspire. Et on expire, on tire vers soi les épaules basses. Encore, inspirez. Expirez, grandissez. On ouvre les coudes, on descend les épaules. Et encore une fois. Tirez, expirez. Et stop. Gardez votre jambe direction plafond, au-dessus de la hanche. Les bras pressés dans le sol toujours, les côtes descendues. Croisez, inspirez, remontez, expirez, encore. Et 2. Et 3. Encore. Et 4. Et 5, on inverse. Ancrez le bas du dos, résistez. 1. Ça s'allonge dans la hanche. 2. Elle doit diriger vers le plafond, la jambe. 3. Et 4. Et stop, pas de lambada hein, avec vos hanches quand vous faites le mouvement. Même si c'est tentant en ce moment, ce sera pour une autre fois. Alors, relâchez. On va venir s'asseoir en se serrant des abdos. Si vous avez des problèmes de dos, vous roulez sur le côté. Mais autant que possible, on va chercher à toujours travailler pendant tout le cours. Il n'y a pas d'arrêt. On soulève le bassin, on engage aussi ses abdos. Et on vient à l'avant. Donc vous allez vous enrouler. Avec les orteils en appui sur le sol, mais les talons soulevés. Les talons sont pressés l'un contre l'autre. Vous venez mettre vos mains sur vos chevilles et vous ouvrez vos genoux largeur d'épaule. Dos rond. Vous connaissez les évolutions, je vous les ai déjà données. Si vous avez des problèmes de dos, surtout ne roulez pas. Vous venez juste tester votre équilibre. Plus vous vous installerez vers l'arrière, plus vous allez travailler vos abdos. Pour les autres, on va rouler. On roule, on inspire, on revient, on expire, sans poser la tête. Plus vous cherchez la difficulté, plus vous allez rapprocher les talons des fesses. On inspire, on revient, on expire. Si c'est encore trop facile, vous venez attraper la cheville opposée avec votre main. Avec l'autre main, vous venez attraper le poignet de la main qui attrape la cheville. Je ne sais pas si c'est clair. Et on roule. On inspire, on revient, reste. Encore. Inspirez, expirez, restez. Encore. Inspirez. Expirez, serrez toujours les fessiers, encore. Inspirez,
expirez, insistez vraiment sur l'articulation du bas du dos. J'articule le bas du dos, je suspends. Et j'articule au retour aussi, je reste en équilibre. Et posez. On repose les mains en arrière, on soulève le bassin pour venir sur le dos. Attention, on passe aux abdos. Cherchez à avoir vraiment un engagement volontaire, beaucoup plus fort que juste laisser faire les muscles pendant l'exercice. Vous ramenez vos genoux sur la poitrine. Enroulez la tête et les épaules. Main droite, cheville droite. Main gauche, genou droit. On travaille la coordination en même temps. Les coudes sont soutenus et les épaules sont basses. La tête est relevée. Si vous avez mal, à n'importe quel moment, vous pouvez la poser. Allongez la jambe gauche. Pareil, vous choisissez l'amplitude pour pas que le bas du dos décolle. Et pour pas qu'il décolle, c'est les abdos qui vont venir travailler. Tirez avec vos abdos le genou sur la poitrine. On change. Et encore. Deux. Changez. Et trois. Changez. Encore. Quatre. Changez. Cinq. Allez, on tire avec les abdos, on presse à la fin. Six. Et change. Si vous avez mal au genou, vous mettez les mains sous la cuisse. Encore. Huit. Et 9. On continue à bien s'enrouler et à creuser le ventre pour plaquer le bas du dos au sol. Mettez les mains sur les chevilles, les talons pressés, les coudes soutenus. On allonge bras et jambes en l'air. Là, on va dire que là, c'est la version facile. Plus vous allez chercher à aller ici, plus il faut résister pour plaquer le bas du dos au sol. On ramène les bras vers l'avant et on ramène les genoux sur la poitrine. Inspirez, ouvrez, pressez, ramenez, expirez. Encore. 3. Ouvre. Et ramène par le ventre. Encore. 4. Pressez vos talons, les genoux restent souples. Encore. 5. Et ramène. 6. On étire loin dans chaque direction. Et on ramène par le ventre. Encore. Ouvre. Et ramène. 8. Ouvre. Et par le ventre. Encore. Ouvre. Ramène. Et le dernier. Ouvre. Ramène. Si vous avez mal à la nuque, vous posez. Sinon, on enchaîne. Et vous pouvez continuer la tête posée. On tire la jambe droite deux fois vers soi. 1, 2, changez. Et 2, les coudes bien soutenus sur les côtés. 3, c'est les abdos qui viennent tirer la jambe, hein, pas les mains. Et 5, encore. Et 7, encore. 8, très très longues les jambes, encore. Un dernier de chaque côté. Stop, on vient mettre les mains derrière la nuque pour relâcher un peu les cervicales. On laisse le poids de la tête dans les mains. Mais on continue à bien s'enrouler. Le bas du dos doit rester, c'est très important, toujours en contact avec le sol ici. On descend un peu les jambes et on ramène les jambes en expirant. Encore. On creuse, on creuse, on creuse et on creuse encore plus en expirant. Encore. 3. Et pressez les talons, creusez. Encore. Expirez. Encore. Expirez. 6. Et long les jambes, comme si vous vouliez toucher en face. Là. Expirez. Continuez. Expirez. Encore. Les jambes longues. Et le dernier. Expirez. Criss-cross. On croise et on rapproche le coude gauche du genou droit. Changez. Changez, restez, regardez loin derrière. Changez. Et encore. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Ah, est-ce que vous les sentez ces petits abdos là? Pour être sûr, on va se refaire une petite série de chaque. On est d'accord? Alors, je vous fais une petite variante pour chaque exercice. Donc, on va en faire 5 de chaque. Mais on va les enchaîner, bien sûr. Et on va faire une petite variante. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va pas se servir des mains du tout. On va se servir seulement, enfin seulement, on va avoir les abdos qui vont travailler un peu plus. Mais on va venir chercher à serrer sous ses omoplates tout le temps aussi. On s'enroule si on peut, on tire les doigts devant, on presse les talons ensemble. Et vous allez allonger la jambe gauche loin devant, vous tirez le genou droit avec les abdos vers vous, comme si vous vouliez écraser la cuisse sur la poitrine. On change. Et encore. Deux. On change, on inspire d'un côté et on expire de l'autre. Encore. Et on cherche à tirer le bout des doigts devant, encore une fois. 5 et vous ramenez. On allonge les jambes loin et on les ramène sur la poitrine sans décoller le bas du dos. 2. Si vous êtes ici, c'est très bien aussi. Hein, les jambes au-dessus des hanches. Encore. 3. Et par le ventre. Encore. Inspirez. Expirez. Ramenez par le ventre. Encore. Et ramenez. Vous tendez vos deux jambes.
Posez la tête si besoin, sinon vous la gardez en l'air. On garde les bras qui tirent devant. Et on fait des petits ciseaux. 1, 2, encore 3, 4, 5. Et on monte les deux jambes en l'air, on descend loin. On peut mettre les mains sous la tête et on remonte, expire. Et 2. Et on ramène les jambes loin, encore. Et tracez loin avec les jambes, encore. Toujours plaquer le bas du dos, le dernier courage. Expirez, criss-cross, on croise, on reste. Pressez votre pied contre votre jambe. Changez, pressez. Changez, pressez. Changez, pressez. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Et relâchez. Bravo, ça c'est fait. On s'enroule. Et on vient ouvrir les jambes un peu plus larges que le tapis. Pieds flex. Les orteils vers le plafond. On tire le bout des doigts devant et on cherche à avoir les épaules au-dessus des hanches. Pas vers l'avant, ni vers l'arrière. Si vous avez du mal à vous asseoir comme ça, vous pouvez fléchir vos genoux de façon à vraiment venir aligner vos fesses, vos hanches au-dessus de vos fesses. Vous pouvez même venir soulever un petit peu la peau là, pour venir être en contact avec vos ischios au sol. Vous vous grandissez, inspirez, et vous enroulez la tête et les épaules en expirant. Ouvrez bien le dos, déroulez, inspirez, expirez, on enroule. Inspirez, le but c'est de sentir un étirement dans le dos, hein. Surtout pas les jambes, enfin, il y a un petit étirement des jambes, mais c'est pas la priorité. On expire, on enroule, et on cherche à reposer les doigts et le dos. Imaginez que je viens vous tirer par les mains devant, et que vous voulez aller derrière. Et on déroule, on inspire, encore, la tête en premier, les épaules, tirez loin, serrez toujours vos fessiers, et déroulez. Un dernier, expirez, la tête, les épaules, serrez les fessiers, enfoncez vos talons, creusez, 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 et déroulez, inspirez. Très bien, fermez les jambes, soulevez le bassin pour venir à l'avant du tapis encore une fois. Et vous mettez vos mains sur les chevilles en passant les mains à l'intérieur cette fois-ci. En équilibre sur les fesses, on fait jambe droite en l'air qui s'ouvre un petit peu. Jambe gauche, cette fois-ci on a le dos allongé comparé à celui du début du cours où on était arrondi. On se grandit, les coudes sont soutenus. On ferme les jambes et on plie sans poser les pieds. On fait la même chose à gauche. Droite, vous restez ici, les personnes qui ne peuvent pas rouler, vous continuez à faire ce qu'on vient de faire. Les autres, on pousse le bas du dos au sol, donc il s'arrondit le bas du dos, et on revient, oups, en se grandissant. Encore, bas du dos, inspirez, suspendez le bassin, et insistez sur vos lombaires pour revenir. Ça ne doit pas taper, hein, surtout pas. Inspirez, et bas du dos, revenez, allongez, étirez vers le haut, les coudes soutenus. Encore, inspirez, et bas du dos, toujours sans poser la tête, hein. On grandit, on grandit, on grandit. Encore, inspirez, bas du dos resté, le dos toujours très long, et le dernier, inspirez, bas du dos, restez, fermez vos jambes, et vous essayez de dérouler votre dos doucement au sol, sans accélération, en gardant vos jambes en l'air. Pressez les bras dans le sol, les épaules sont ouvertes à nouveau et les côtes descendues. Vous allez faire un petit cercle de la droite vers la gauche, sans décoller le bas du dos surtout. Inspirez, les deux hanches restent posées et remontez en expirant. Pour ceux qui ont l'habitude, maintenant on va faire les chandelles. Soit vous montez un petit peu les vertèbres, soit vous montez complètement. On se grandit, on reste, on donne une direction aux jambes et on vient dérouler le dos en continuant à tirer les jambes en l'air et en pressant avec le dessous des bras. Et on reste. Gauche, inspirez. Montez, restez. Tirez les jambes en l'air, pressez sur vos bras. Et déroulez doucement. J'ai oublié de vous préciser, si vous avez des coussins sous la tête, enlevez-les, pardon. Et si vous avez mal au cervical, bien sûr, vous ne faites pas. Encore. Droite. Montez, restez. Pressez sur vos bras, les jambes s'étirent, s'étirent, s'étirent. Ça s'étire dans les hanches aussi. Et maintenant, déroulez, mais ne laissez pas aller vos jambes vers l'arrière. Elles ne doivent pas dépasser vos yeux, normalement. Retenez la descente. Et la dernière à gauche. Inspirez. Montez, expirez, restez. Pressez vos talons ensemble.
Pressez vos bras, aspirez le ventre et retenez la descente lentement. Top. On revient s'asseoir. Toujours les jambes un peu plus larges que le tapis. Les pieds enfoncés dans le sol et on va ouvrir ses bras un peu plus larges que tout à l'heure. Les orteils vers le plafond, on serre les fessiers, on enfonce les talons. On tourne à droite toute la taille, vous devez déjà sentir que vos obliques travaillent. Enroulez vers l'avant, expirez, tirez vos bras de chaque côté. Déroulez, inspirez, vissez à gauche au maximum. Gardez votre hanche droite enfoncée au sol et on enroule. Et on déroule. Vissez à droite. Inspirez. Et enroulez. Creusez le ventre. Tirez de chaque côté. Enfoncez bien la hanche gauche devant. Et tirez le bras gauche devant aussi. Et revenez. Encore. Inspirez gauche. Résistez avec la hanche droite derrière. Et enroulez. Déroulez. Un dernier de chaque côté. Vissez, inspirez au maximum. Et enroulez vers l'avant. Creusez, creusez, creusez. Et déroulez. Le dernier à gauche. Inspirez. Et enroulez, expirez. Et relâchez. Très bien, on passe à plat ventre. Fermez vos jambes. On passe ici en petite pompe. Vous pouvez poser les genoux si besoin. Et on va venir se poser au sol d'un bloc. Donc les mains sont sous les épaules. Recule un tout petit peu. Vous serrez sous vos omoplates. Vous serrez vos fessiers et vos talons ensemble. Vous êtes toujours en position pilates. Essayez d'enrouler un peu le bassin quand on est à plat ventre pour allonger votre bas du dos et le protéger. Les côtes sont rentrées pour ne pas creuser le dos non plus. Et vous allez venir pousser sur vos mains. Inspirez, restez en appui sur les genoux. Vous allongez bien votre nuque et vous tournez la droite à la tête à droite. Inspirez. Bloquez la respiration, on vient dessiner un cercle jusqu'à gauche. Et vous revenez face, expirez, la nuque toujours très longue. Les coudes sont souples, on cherche à ne pas les verrouiller. Et gauche, inspirez. Cercle vers le bas. Droite, face, expirez. Attention à ne pas laisser votre bassin trop bas, sinon vous allez avoir mal au dos. Encore, droite, cercle vers le bas. Gauche, face, expirez. Et gauche, cercle vers le bas. Droite, face, expirez. Revenez à plat ventre, soufflez un petit peu et on va mettre les coudes en ce qu'on appelle le hug, c'est-à-dire les poings qui se pressent et les coudes qui sont en avant des épaules ouverts aussi. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre en ce qu'on appelle sphinx, c'est-à-dire par contre les coudes en dessous des épaules et les poings toujours appuyés dans le sol. Vous pressez bien vos avant-bras de façon à ne pas vous avachir dans vos épaules, il y a vraiment un travail du haut du corps ici. On lift le bas-ventre aussi, on serre les fessiers. Et on vient faire talon-fesse avec la jambe droite deux fois. 1, 2, changez. 1, 2, 2. Si vous avez mal au genou, ne faites pas. 3. Allongez bien la nuque. Restez léger en vous repoussant du sol. Encore. 5. Changez. Et stop. On va en faire un nouveau. On ne l'a pas fait souvent celui-ci. Vous posez la joue droite au sol et vous venez mettre vos mains dans le dos. En relâchant vos coudes sur le côté. Vous montez bien vos mains au niveau du soutien-gorge à peu près. Vous restez les talons serrés ensemble en pilates. Et le bas du dos allongé en rétroversant un peu le bassin. Vous aspirez le ventre et vous serrez les côtes. Je sais que ce n'est pas évident dans cette position. Ça viendra. Mais vraiment essayez de ne pas le sortir. C'est pour protéger votre dos. De là, on fait talon-fesse avec les deux jambes en même temps. Trois fois. 1, 2, 3. Les genoux sont serrés. On allonge les jambes, on allonge les bras. On garde les pouces crochetés. Et on inspire en venant allonger le buste vers l'avant. Surtout si vous avez mal au dos, ne pas faire. Hein. Et on pose la joue gauche. Encore. 1, 2, 3. Serrez vos fessiers, grandissez-vous et ouvrez vos épaules ici. Grand, 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 grand. Encore. Ne soulevez pas vos jambes, sinon vous allez prendre dans le bas du dos. Encore. 1, 2, 3. Inspirez, grandissez. Prenez appui sur vos jambes. Et posez gauche. 1, 2, 3. Inspirez, grandissez. Et posez. On vient s'asseoir sur les talons. Pieds flex. On ouvre un peu les genoux. Les orteils ne se touchent pas non plus, les deux des deux pieds. Et on vient arrondir son dos avec les mains dans le dos. Et on relâche le poids du bassin sur les talons. Et on va repasser ici. Donc, si vous avez fait le déroulé du dos au début du cours jambes fléchies, vous vous remettez jambes fléchies.
mais cette fois-ci largeur des hanches. Si vous aviez commencé jambes tendues, on commence jambes tendues. Donc pour ceux qui ont commencé au sol, vous commencez au sol. Ceux qui ont commencé assis, vous commencez assis. Pressez tous vos mains contre vos cuisses ici, les épaules ouvertes, vous serrez sous vos omoplates. Cette pression des mains vient connecter les dorsaux. On presse les mains, on se grandit, on enroule, on inspire. On serre le ventre et les fessiers et on vient jusque devant en expirant. Si vous êtes à l'aise, vous mettez les mains derrière la tête. Vous déroulez le dos ici, enfoncez toujours vos talons dans le sol et aspirez votre ventre. Vous ne devez pas cambrer. Hein. On allonge la nuque avec les mains, c'est ces mains qui donnent la direction. Et on déroule le bas du dos en continuant à tirer les talons vers l'avant. Et on dépose. Soit vous revenez avec les mains contre les cuisses, soit vous gardez les mains derrière la tête. On enroule, on inspire. On creuse, on enroule, on expire. Déroulez, inspirez. Et vous déroulez, vous expirez. Si vous avez mal au dos et que vous ne pouvez pas aller jusqu'en bas, vous vous arrêtez à mi-chemin, toujours pied flex. Vous inspirez sur place. Et vous remontez en expirant. Et vous recommencez en inspirant. Sinon, on repart d'ici. On déroule doucement, on expire. Et on dépose, on expire. On enroule, on inspire. On creuse, on pousse le nombril en arrière, on expire. Sans se tasser, hein. Les coudes restent ouverts. Et on reste dans un grand C majuscule. On déroule, on inspire. Et on déroule, on expire. Allez, un dernier. On enroule, on inspire, on creuse, on vient jusque devant, on expire. Et on déroule, on inspire, le dos toujours long, les coudes ouverts. Et on retient la descente. Vertèbre après vertèbre, on garde cette longueur dans les hanches, en tirant les talons devant et en aspirant ce ventre. Et on pose. Très bien. Les fessiers. Je sais que vous les attendez avec impatience, ceux-là. Si vous avez des problèmes de nuque ou d'épaule, vous pouvez mettre des petits coussins. Sur le côté là, de façon à avoir votre tête dans l'alignement du buste. Ce sera moins haut que ce qu'on fait avec la main sous la tête, mais c'est très bien. Vous allongez vos jambes un petit peu en avant de vos hanches et le bassin est à plat, il ne s'enroule pas vers les talons. Vous voyez, là je suis en rétroversion, je vais revenir, mes hanches à plat. Vous devez presque avoir l'impression de cambrer, mais vous ne cambrez pas parce que vous avez le ventre tenu et les côtes rentrées. Pressez votre bras soit devant le ventre, soit derrière la tête en vous grandissant. Et vous soulevez la jambe du dessus à hauteur de hanche. Le talon se dirige vers le sol. Et on garde un petit pont sous la taille ici. Pas s'arrachir comme si on était à la plage. On se grandit, on allonge toute la colonne. On fait deux battements vers l'avant. Un, deux. Et vous allez allonger loin derrière en vous grandissant. Encore devant. Un, deux. Prenez appui. Pour ceux qui ont la main devant le ventre, prenez appui dessus pour vous aider à rester droit. Ne partez pas en arrière ou en avant. Encore devant. 2, et étirez, prenez appui avec votre jambe du sol aussi, encore, 1, 2, et étirez le dos long, aspirez le nombril, et le bas du dos reste allongé, encore, 1, 2, allez on zippe le bas ventre ici, on oppose les orteils avec le sommet du crâne, encore, 6, et on étire loin, on se grandit, encore, devant, 1, 2, et aspirez le nombril, encore, 8, Allez, n'oubliez pas que le talon se dirige vers le sol. On se grandit, on allonge. Encore, les omoplates sont tenues. Et on étire, grande. Bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai super chaud. Une dernière fois. Et étirez, grandissez. Et revenez. On monte vers le plafond et on retient la descente. Encore. Deux. Résistez. On essaie de garder toujours ce petit pont là. Trois. Attention que la hanche ne part pas vers l'arrière pendant que vous montez votre jambe. Et encore 5. Et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Inversez. 1, 2, 3, 4, 5. Hot potato. 5 petits battements devant la jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5. En l'air. Et 1, 2, 4, 5. En l'air. Et 4. En l'air. Et 4. 2, 3, 4. En l'air. Et 3. Montez. 3. Montez. 2. Montez. 2. Montez. Et en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Très bien. On va essayer de faire les grands ronds de jambes. On les a déjà fait. Vous soulevez hauteur de hanche. Donc je vous conseille de mettre la main devant parce que c'est difficile de stabiliser. Vous pouvez le faire derrière la tête aussi. Hein. Loin devant. Vous montez. Vous caressez le plafond en gardant vos orteils, vos talons vers l'avant. Vous restez les talons vers l'avant, mais vous gardez votre hanche vers l'avant aussi.
et vous revenez. Encore. Devant. Montez. Gardez votre hanche devant, serrez sous la fesse. Emmenez votre jambe loin derrière. Et essayez de ne pas plonger. Et encore. Loin devant. Montez. Tirez et grandissez-vous. Loin derrière, le dos toujours très long. Et revenez. On inverse. Loin derrière. Montez, ramenez tout de suite le talon devant et votre hanche reste face à moi. Loin devant et encore. Loin derrière, trouvez cet allongement dans votre hanche et tirez votre sommet du crâne. Vous vous montez, vous ramenez la fesse dessous. Résistez avec le talon dessous. Et encore une fois. Loin derrière, montez. Ramenez le talon dessous. Voilà, et vous revenez. Vous gardez vos deux talons à la même hauteur, hein, sinon ça veut dire que vous affaissez trop votre taille là. Et que vos hanches sont plus au même niveau. On ressoulève et on vient coller la jambe du dessous. On descend et on monte. Encore. Et 3. Et 4. 5. Vous restez ici, on descend les deux jambes et on remonte les deux jambes ensemble. Et encore. Et 2. Encore. Et 3. Allez, continuez. 4. 5 et on fait des petits ciseaux en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 5, 6, 7. On serre toujours les fessiers, le ventre. Le dernier. 5, 6, 7. Stop. On colle bien les talons ensemble. On se grandit et on va être assez loin pour descendre les jambes. Posez la tête. Posez votre bras. Et vous venez mettre le bras du dessus sur la taille. De là. Sans prendre appui sur votre bras parce que vous pouvez vous faire mal à l'épaule. Essayez de vous servir seulement de vos obliques. Vous allez venir monter le buste, serrer les fessiers. Et revenez doucement. Encore. Montez, serrez les fessiers. Ça contracte. Et on descend. Encore. Montez. Donnez une direction à vos doigts. Et descendez. On essaie de monter les deux. Montez, tirez. Allez, on résiste avec les deux hanches face à moi. Et posez. Encore. Montez. Allez, si vous roulez, c'est pas grave. Hein. Vous résistez, vous ramenez le ventre. Et prenez un petit peu appui avec votre bras, mais vraiment léger. Encore une fois. Restez. Il en reste deux. Montez. Tracez loin du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Le dernier, restez. Et déposez. Très bien. On va changer de côté. On se place toujours soit avec la main sous la tête, soit les coussins. Le bassin bien aligné avec le coude et l'épaule, les jambes en avant, et c'est reparti, le talon vers le sol, deux battements devant, 1, 2, et vous allez chercher loin derrière, allongé dans la hanche, loin, 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 encore devant, 1, 2, et étirez, grandissez-vous, et encore, 3, allongez, étirez, grand, 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 encore, 4, et grandissez. Essayez de ne pas bouger le haut du corps, on se lift vers le mur là, du côté de la tête. Encore. Étirez. J'ai le soleil dans la figure. Encore. 6. Et grande, grande, grande. Prenez toujours appui avec votre jambe du sol aussi. Encore. Allongez. Gardez bien le talon vers le sol. Ça va vous aider à travailler dans les fessiers. Hein. Étirez. Grande, 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 grande. La jambe s'avance, mais le bassin reste poussé vers l'arrière. Hein. Étirez. Et le dernier, on garde bien les côtes tenues. Étirez loin. Super, revenez. Montez vers le plafond. Retenez la descente. Encore. 2. Résistez. 3. Long. 4. Grande, grande, grande. Une dernière fois. Et on va faire des petits cercles. 1, 2, 3. Toujours les fesses qui poussent un peu en arrière. Hein, et on inverse. 2, 3, 4, 5. Posez, soufflez un petit peu. Et on est parti pour Hot Potato. 5 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5. En l'air. Et 1, 2, 5. En l'air. Et 4. En l'air. En vous grandissant toujours. Il y a un fil qui vous tire. Et 3. Montez. 3. Montez. 2. Montez. 2. Montez. Et en l'air. En l'air. En l'air. En l'air. Très bien. Les grands ronds de jambes. Courage. On va loin devant. On monte. On va loin derrière, mais on résiste avec la hanche devant. Attention de ne pas vous laisser embarquer derrière. Et encore. Loin devant. Montez. Le talon reste vers l'avant. On étire loin derrière. On étire le sommet du crâne. Et encore une fois. Loin devant. Montez.
Serrez sous la fesse, grandissez-vous. Et revenez en inverse, loin derrière. Ramenez le talon dessous. Et on trace loin, on se repousse avec la main. Encore deux, cherchez à aller loin derrière. Montez et ramenez votre talon dessous. Le dernier. Grande, montez, ramenez. Super. Restez ici. On monte à hauteur de hanche. Et on vient coller celle du dessous. On descend que celle du dessous. Et encore. Deux. Et encore. Trois. Et quatre. Elle reste longue cette jambe. Les deux même. Restez et on fait des petits... Ah non, on descend, pardon. On descend les deux. Et on monte les deux. Et on descend. Allez, c'est la taille qui travaille là. Deux. Trois. Allez, on va en faire deux de plus. Quatre. Restez, petit ciseau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit encore. Très bien, on continue à se grandir la taille très fine. Et le dernier. Cinq, six, sept, stop. On garde les talons ensemble, on pose. Très bien. Est-ce que je vous ai oublié un truc? Oui, on pose le bras. On se grandit, on vient mettre ce bras-là ici. Et on va monter le haut du corps sans trop prendre appui sur son épaule. Hein. C'est la taille qui travaille, on inspire, on monte. Et on descend. Encore, on monte. Allez, la taille toujours. Et 3. Allez, courage. 4. Ne remontez pas trop votre tête, hein. C'est surtout... la taille qui monte, la tête elle reste en prolongement de la colonne. Un dernier, restez. Et on va monter les deux ensemble. Montez, grande, 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 essayez de ne pas rouler en arrière, on aspire le ventre et on pose. Deux, il y a vraiment une direction à donner à vos orteils aussi, hein, pour ne pas rouler. Et encore, trois. Allez, cette taille fine là, on la veut pour cet été. Et encore, quatre. Et un dernier, restez. Et super, bravo. On va repasser sur le dos pour faire notre teaser préféré. Je sais que vous l'aimez. On s'allonge sur le dos. Et vous allez pour commencer venir mettre les genoux sur la poitrine. On place les mains sous les cuisses. On ouvre les épaules, on serre sous les omoplates. Et on va enrouler la tête et les épaules en soutenant le ventre. Voilà. De là, vous allez pousser dans vos mains avec vos jambes. Vous créez une résistance. Et vous venez vous asseoir en articulant bien cette zone du bas du dos là. Les pieds restent en l'air. Et on va dérouler en continuant à pousser dans les mains, mais on articule le bas du dos. On serre les fessiers. Et on ramène les genoux sur la poitrine. Encore. On enroule, on pousse, on serre le ventre et les fessiers. Et on reste. Si on est à l'aise, on tend les bras devant. Et on déroule vertèbre après vertèbre sans accélération. Soit on remet les mains sous les cuisses parce que c'est plus dur la remontée. Soit on garde les bras en l'air et les jambes tendues. Et on enroule, on inspire. On se grandit, on étire, on étire, on étire. Et on déroule bas du dos. On serre les fessiers. Et on dépose. Attention à vraiment articuler vos lombaires et à ne pas raidir. Sinon, vous allez avoir une douleur dans le bas du dos et c'est mauvais. Fléchissez vos genoux dans ce cas-là. On enroule, on inspire. On serre les fessiers. On se grandit, on allonge, on allonge, on allonge. Et on déroule. Vertèbre après vertèbre. Encore une fois. On enroule, on inspire. On serre les fessiers. Pour ceux qui sont à l'aise, on va descendre le dos et les jambes cette fois-ci. Sinon, vous descendez normalement. Voilà. Très bien. Alors, on va passer assis. Je vais me mettre face à vous. Et on va faire notre French cancan. Donc, les doigts sont 10h10, c'est-à-dire un petit peu vers l'avant, mais pas complètement. Ils sont un peu ouverts. On va venir sur nos orteils. On ouvre les épaules et on cherche vraiment à ouvrir le haut du corps ici. On redresse le haut du corps, on se repousse des mains. Si vous fléchissez un peu vos coudes, ça ne dérange pas, mais attention à ne pas vous retrouver après à vous tordre. Donc le haut du corps ne bouge plus. Vous gardez les orteils soulevés et on va pencher les genoux à droite, puis à gauche, puis à droite encore. Et vous allez allonger la jambe gauche et poser. Et encore, gauche, droite, gauche. On ne bouge pas le haut du corps et on allonge. Et on pose. Si vous êtes à l'aise, on allonge les deux jambes. Deux. 3, on allonge les talons ensemble et on pose. Et 1, 2, 3, et on allonge loin et on pose. Encore. 1, 2, 3, on allonge, on étire. Et le dernier à gauche. 2, 3, on allonge, on étire. Toujours les épaules ouvertes et on pose. Très bien.
On va faire un petit renforcement en planche. Donc on va passer ici. Vous venez en appui sur vos orteils et vos mains sont sous vos épaules. Attention, on ne lâche pas le bas du dos, on ne lâche pas le bassin et on ne se repousse pas trop des mains. On garde les épaules dans le dos. La tête est dans le prolongement de la colonne, on serre les fessiers et on inspire profondément. On vient soulever le pied droit à hauteur de la cheville et du talon. On vient tirer le talon gauche vers l'arrière pour avoir un stretch. On revient et on pose. Même chose à gauche. On étire, on pose, on ramène. Si vous ne voulez pas bouger, vous faites que des respirations profondes. En inspirant, en gardant les côtes serrées, ça marche très bien aussi. Et revenez. Encore une fois de chaque côté. Et le dernier à gauche. Et stop. De là, vous pliez la jambe droite. Et vous venez face à moi. Très bien. On est reparti pour les fessiers. On met les mains derrière la tête. On se grandit. Si vous voulez vous mettre sur votre poing, parce que vous avez mal au poignet, il n'y a pas de souci. Je voudrais juste que vous aligniez votre poing, votre genou et vos orteils. Et que votre poing soit sous votre épaule et votre genou sous votre hanche. Donc vous grandissez le dos long. Je vais juste reculer pour que vous puissiez peut-être me voir un peu plus. Là. Donc c'est pas top. Donc grandissez-vous bien. Et vous allez monter la jambe du dessus. Enfin la jambe qui est tendue. Et encore. 2. 3. Continuez. J'essaie de me rapprocher. 4. 5. On reste en l'air. On fait des petits cercles. 1. 2. 3. 4. 5. Et on inverse. 1. 2. 3, 4, 5. Bon, je me remets sur les mains parce que sur le bois, c'est pas confortable. Et on va faire deux petits battements devant. 1, 2, le talon vers le sol. Et on va chercher loin derrière sans cambrer. On zippe le bas-ventre. Encore devant. 1, 2, étirez loin derrière. Encore. 3. Et allez chercher loin derrière. Encore 2, 4. Allez, on se grandit. Et un dernier. 1, 2, étirez loin derrière. Revenez. Et plier. Bon, ça doit commencer à chauffer. Je me décale. Normalement, vous n'avez pas besoin de bouger. Hein, c'est juste pour que je sois dans l'écran. Donc, on vient poser la main gauche pour moi. On allonge la jambe droite. Et on essaie de garder le genou et la hanche au-dessus du genou. Et la main en dessous de l'épaule. Ça va se décaler un petit peu le poids du corps. Donc, prévoyez un petit peu de marge pour avoir l'épaule au-dessus de la main quand vous soulevez votre jambe. La main derrière la tête, on se grandit, le talon vers le sol. Et on descend, encore. 2. Encore. 3. Moi j'ai le pot de fleurs qui me gêne. Encore. 4. 5. On fait des petits cercles. 1. 2. 3. 4. 5. Inversé. 1. 2. On se grandit, on essaie de ne pas bouger le haut du corps. Stop. On va faire deux battements devant. 1. 2. Étirez loin derrière sans cambrer. Attention. 2. Hein. Le haut du corps ne bouge pas. Et étirez. Encore. 3. Allongez. Allez, je sais que ça commence à faire mal. On continue. 4. Il en reste 2. Et étirez. Et le dernier, le talon vers le sol. Très bien. Super. C'est fini pour les fessiers. Bravo. Soufflez un petit peu. Gardez bien vos fesses sur vos talons, là, pour étirer un peu. On peut enrouler un petit peu aussi. Très bien. Allez, c'est bientôt fini. Je vous propose de faire encore un petit peu de gainage et après on passe aux étirements. Donc je vais me mettre debout. Donc en pilates au bord du tapis, vous vous grandissez, vous montez vos bras. Je vais peut-être me mettre dans ce sens-là. Vous vous grandissez, vous enroulez la tête et les épaules, vous serrez les fessiers. Vous restez près de vous pour l'instant, vous êtes juste en appui, plus sur les orteils que les talons puisque le poids du corps est vers l'avant. Vous marchez trois pas avec vos mains. 1, 2. On se retrouve en gainage. Si vous avez mal au poing, vous mettez sur les poings fermés. Vous restez ici, vous inspirez. Et vous expirez, vous grandissez. Toujours la nuque longue, les fessiers serrés, les omoplates tenues. Inspirez profondément. Et expirez, creusez le ventre. Et encore une fois. Expirez. Et on repart, on enroule la tête. On repart. On marche trois pas. On reste ici et vous pouvez venir attraper vos jambes pour étirer un peu plus. Et on déroule doucement. On garde les bras tendus, le poids du corps vers l'avant. Et on repart vers l'avant.
Et on marche 3 pas toujours. 1, 2, 3, vous restez ici. Et on va essayer de plier les coudes 3 fois. 1, 2, si vous ne pouvez pas, vous faites les respirations. 3, restez et on repart vers l'arrière. 1, 2, 3, essayez de ne pas vous dandiner d'un côté à l'autre quand vous revenez. Et déroulez. On repart, le dernier. On enroule, on inspire. Et on marche. 1, 2, 3, restez. Les coudes souples, hein, toujours. Les fessiers serrés, les talons pressés. Vous avez vraiment une force sur toute la ligne médiane du corps. Pardon. Et on plie les coudes. 1, 2, 3, vous restez. Et on remarche vers l'arrière en enroulant pour protéger le dos. Vous revenez attraper l'arrière des jambes, on étire. Et on déroule doucement, vertèbre après vertèbre, on monte les bras. On pousse les bras vers le sol. Et on va finir avec le cil pour masser un peu le dos. Vous attrapez vos chevilles à l'intérieur en passant les mains à l'intérieur, vous les attrapez à l'extérieur. Vous pressez vos talons ensemble et vous ouvrez vos genoux. Le dos est rond, la tête est enroulée, mais sans se tasser. Ça reste assez long dans toute la colonne. On tape 3 fois dans les pieds à partir des hanches. 1, 2, 3. Roulez, suspendez et revenez. Et encore. 1, 2, 3. Si vous êtes à l'aise, vous tapez 3 fois en l'air aussi. Et revenez encore. 1, 2, 3. Roulez, suspendez. 1, 2, 3. Revenez, restez encore. 1, 2, 3. Inspirez. Expirez. Attention quand vous revenez à ne pas vous recaler sur vos reins. Vous devez garder le bas du dos arrondi. Et encore, pardon. 1, 2, 3, roulez. 1, 2, 3, revenez encore. 1, 2, 3, roulez. 1, 2, 3, restez. Le dernier. 1, 2, 3, roulez. 1, 2, 3, restez. On ne bouge plus. Et on pose. Très bien. Allez, on va étirer nos fessiers. Vous ramenez le genou droit sur la poitrine, vous ouvrez vos coudes et vous ouvrez un peu le genou en direction de l'épaule. Attention, l'autre hanche reste au sol, ne vous laissez pas partir sur le côté. On ouvre, on relâche un petit peu, encore. Tirez, relâche un petit peu, encore une fois. Tirez et vous venez croiser votre genou, vous ouvrez le bras opposé et vous venez faire une torsion en essayant de ne pas décoller vos épaules du sol. Vous pouvez venir regarder vers votre main, du bras qui est allongé. Et on change. Vous pouvez venir ouvrir votre genou, mais vous gardez toujours les deux hanches au sol. Et poser. Venez poser votre talon de la jambe gauche sur le genou qu'on vient de fléchir, donc le droit. Vous attrapez votre genou et vous tirez vers vous. Donc là, on étire les fessiers. Ça va ? Relâchez un petit peu et étirez. Relâchez un petit peu. Encore une fois, tirez. Super. On change. Vous venez fléchir la jambe gauche vers vous, la jambe droite s'allonge. Et vous tirez en ouvrant un peu le genou et en gardant les épaules ouvertes. Relâchez un petit peu. Tirez. Relâchez un petit peu. Tirez. Et on croise. Vous venez attraper votre genou, vous ouvrez le bras et vous regardez si vous voulez vers le bras gauche pendant que la jambe droite va vers le sol. Attention à ne pas soulever vos épaules. Revenez au milieu. Vous pouvez changer de main pour venir ouvrir dans votre hanche. On étire un peu les adducteurs. On garde les hanches au sol. Revenez au milieu, vous fléchissez la jambe droite, vous posez le talon gauche et vous attrapez le genou droit. Non, pardon, c'est l'inverse, on l'a fait tout à l'heure, pardon. Donc c'est la jambe gauche qui est fléchie et c'est le talon droit qui est posé, excusez-moi. Tirez. Relâchez un petit peu. Tirez. Relâchez une dernière fois. Tirez. Super, vous allongez vos deux jambes et vous venez étirer vos bras vers l'arrière. Vous avez le droit de cambrer un petit peu dans cette position-là, c'est pour venir étirer les abdos. Relâchez un petit peu. Et encore, on tire vers l'arrière. Et on relâche.
Une dernière fois, on tire et on relâche. Très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vous propose la semaine prochaine, c'est de finir avec ce qu'on a fait la semaine dernière là, pour étirer les poignets, les doigts, toute la partie du haut du corps, des mains. Et aussi un exercice pour étirer les voûtes plantaires. Alors je ne sais pas si vous avez une balle de tennis par exemple chez vous, ou quelque chose qui s'en rapproche. Si c'est plus petit, c'est pas grave. Bon, pas une balle de ping-pong, quoique ça peut peut-être le faire aussi. Mais voilà, essayez d'avoir quelque chose de... Ouais, comme un point, à peu près. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.